Et à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle séance de l'atelier d'économie politique du CEPN. Nous sommes ravis d'accueillir Céline Bessière, aujourd'hui qui est professeure de sociologie au sein de l'IRISO, laboratoire IRISO de l'Université Paris-Dauphine. Céline Bessière a travaillé à travers de multiples travaux sur le rôle de la famille dans la production des inégalités de genre. Et la présentation d'aujourd'hui prolonge cette thématique à travers l'ouvrage coécrit avec Sybille Golac, intitulé « La question du genre », mais cette fois-ci en articulant la question du genre avec celle du capital. Et l'un des intérêts de cet ouvrage est justement voir comment la société de classe se reproduit à travers l'accumulation masculine du capital. Donc, nous sommes très heureux, encore une fois, de recevoir Céline Bessière et d'avoir une présentation sur cette thématique, d'autant plus que c'est une thématique qui peine à se développer dans l'économie politique. Et pour cette raison, nous sommes très heureux d'avoir une présentation de ce type. Donc, je rappelle le format, donc 45 minutes de présentation, suite 45 minutes de discussion. Et Céline, je vous dirai, donc, lorsqu'il vous restera 10 minutes de présentation. Voilà, okay. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous prie d'excuser l'absence de ma co-autrice, Sybille Golac. Initialement, on avait prévu d'être là toutes les deux. Et puis, on a changé la date et on n'arrivait plus à trouver de date commune. Voilà, donc je vais essayer de jouer les deux rôles aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous présenter ce livre que nous avons écrit toutes les deux, qui est sorti il y a exactement un an et qui mène sa petite vie de livre malgré la crise sanitaire et les différents confinements, fermetures de librairies, couvre-feu. Voilà, donc le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités. Donc, le point de départ du livre, en fait, c'est de mettre un éclairage sur la question des inégalités de richesse et de penser ensemble des inégalités de richesse qui commencent à être bien connues, des inégalités de classe avec des inégalités de genre. Donc, comme je suis dans un laboratoire d'économie aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que sur la différence entre patrimoine et revenu. Et quand je vais employer le terme richesse, je vais employer la terminologie Piketty, qui est discutable. Mais en gros, quand je vais dire richesse, wealth, je veux dire patrimoine, donc le stock, et par opposition avec les revenus. J'imagine qu'ici, vous connaissez toutes et tous les travaux de Thomas Piketty et de l'ensemble des économistes qui travaillent avec lui sur le poids du patrimoine dans les inégalités sociales, l'accentuation des inégalités de patrimoine dans le capitalisme contemporain. Et j'imagine aussi que vous avez déjà réfléchi au fait que ces inégalités de patrimoine, elles sont de plus en plus importantes dans nos sociétés contemporaine parce que il faut de plus en plus de patrimoine pour se loger, avec le recul des politiques de logement social au profit des politiques d'accession à la propriété, y compris pour les classes populaires. Il faut de plus en plus de patrimoine pour financer les études supérieures de ses enfants, qui sont de plus en plus coûteuses. Il faut de plus en plus de patrimoine aussi pour se mettre à son compte. Et les politiques d'emploi en France, là aussi, ces 20 dernières années, ce sont des politiques d'emploi qui mettent l'accent sur l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat. Et c'est plus facile de se mettre à son compte quand on a un capital. Et puis enfin, et peut-être surtout, à chaque fois que les systèmes de retraite par répartition sont attaqués, entamés, quand le livre est sorti, on était en plein débat sur la réforme des retraites. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens? On est en train de dire qu'il faut accumuler du capital pour financer leur vieux jour. Donc, cette accentuation des inégalités de patrimoine aujourd'hui, elle est vraiment cruciale. Et ce qui avait été moins examiné jusqu'alors, c'est le gender wealth gap, donc l'inégalité de richesse entre les hommes et les femmes.
Si jusqu'à présent on avait assez peu de données sur le gender wealth gap, c'est parce que ça pose des difficultés méthodologiques spécifiques pour le mesurer. En effet, il y a deux grandes manières de travailler sur les inégalités de patrimoine. À partir des enquêtes déclaratives, notamment en France, l'enquête patrimoine de l'INSEE, mais il y a l'équivalent dans la plupart des pays du monde. Et toutes ces enquêtes déclaratives sur les patrimoines sont des enquêtes qui sont réalisées à l'échelle du ménage. Et la deuxième grande manière de travailler sur les inégalités de patrimoine, c'est de travailler à partir de données fiscales. C'est notamment ce qu'a beaucoup développé Piketty. Et ces données fiscales sont aussi des données familiales, puisque récoltées à l'échelle de foyers fiscaux. Et du coup, quand j'ai épluché le capital au XXIe siècle, et quand je dis épluché, ce n'est pas seulement le livre, mais c'est aussi les annexes statistiques en ligne, je me suis rendu compte qu'en fait, que toutes les données qui étaient données dans le livre étaient des données individuelles, mais qui en fait étaient reconstruites à partir de données par ménage. Et ce qui était fait dès qu'on ne savait pas, c'est-à-dire souvent, c'était quand il y avait un homme et une femme dans le ménage, enfin deux adultes dans le ménage, un homme, une femme, on divisait le patrimoine en deux. Et en fait, des chercheuses et des chercheurs ont commencé à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur des ménages dans ces enquêtes patrimoine. Et ça suppose des opérations sophistiquées, puisqu'il faut aller regarder de près qui possède quoi. Notamment en France, qui possède quoi, ça dépend du régime matrimonial. Ça dépend d'abord s'il y a mariage ou pas mariage, et puis ensuite ça dépend du régime matrimonial, soit la communauté de biens réduite aux acquis, soit la séparation de biens, et puis il y a d'autres régimes matrimoniaux plus marginaux. Et puis il faut aller regarder bien par bien à qui il appartient, ou parfois à quel pourcentage appartient à qui. Alors, on est plusieurs à avoir fait ça. Donc, Sybille, qui n'est pas là aujourd'hui, a beaucoup fait ça. Nicolas Frémaux et Marion Le Turc, que vous connaissez peut-être, l'ont fait également. Et ils ont sorti un papier en 2020. Il est sorti juste après notre livre, qui montrait, à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE, qu'entre 1998 et 2015, l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes avait augmenté, elle avait en fait presque doublé. Alors, on partait d'assez bas, puisque 9%, avec un écart de 9% en 1998. Et pour comprendre pourquoi c'était aussi bas en 1998, il faut prendre conscience du poids du régime par défaut en France, du régime matrimonial par défaut, qui est la communauté de biens réduite aux acquis. C'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où vous vous mariez, les biens acquis dans le cadre du mariage appartiennent à 50-50 aux deux conjoints. Sauf que depuis 1998, le régime matrimonial par défaut, donc de la communauté de biens réduite aux acquis, est en train de perdre de la vigueur pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de gens qui se marient. Ensuite parce que les couples les plus riches font de plus en plus de séparations de biens. Parce qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent, qui divorcent et donc qui individualisent leur patrimoine. Et on sait aussi que quand il y a des remises en couple, soit les gens ne se remarient pas, soit s'ils se remarient, ils font davantage de séparation de biens. Donc tous ces facteurs, c'est ce que Frémaux et Le Turc appellent l'individualisation du patrimoine. Et on peut dire que cette individualisation du patrimoine, et on va comprendre dans un instant pourquoi, elle est très défavorable aux femmes. D'où l'accroissement de l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Tous les facteurs démographiques que je vous ai indiqués tout à l'heure vont tous dans le même sens. Et donc, on peut assez raisonnablement penser qu'à la prochaine mouture de l'enquête patrimoine de l'INSEE, on va constater que l'inégalité de patrimoine s'est encore accrue. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre livre? Alors, on fait plusieurs choses. Donc, on dit qu'on a un triple parti pris sociologique. Donc, Sybille Golac et moi-même sommes toutes les deux sociologues.
Donc le premier point qui nous distingue des travaux sur les inégalités de patrimoine que j'ai mentionné, donc pour aller vite autour de Thomas Piketty, c'est que nous on n'a pas une approche par la distribution des richesses, des revenus et des richesses, mais on s'intéresse aux appartenances de classe et de genre des individus, c'est-à-dire qu'on va regarder qui possède quoi. Qui sont les 1%, qui sont les 10% qui possèdent du patrimoine, qui sont les 50% qui ne possèdent rien. Et on travaille sur des rapports de classe et des rapports de genre. Alors, en sociologie, hein, c'est notre manière d'envisager les classes sociales, c'est Marx revisité par Bourdieu. Donc, on s'intéresse aux rapports de pouvoir et de domination qui sont nés dans ces appartenances de classe et de genre. J'espère que ça se verra au cours de notre démonstration. Donc, en fait, on pense les inégalités pas seulement en termes de distribution, mais en termes de rapports de domination. Le deuxième point, c'est ce qui nous distingue davantage de nos collègues sociologues, et notamment sociologues de la famille. Parce que, alors on passe un long temps à expliquer ça dans notre livre, on arrive en fait avec notre bouquin après un siècle de sociologie de la famille, un 20e siècle de sociologie de la famille, qui a repris la phrase de Durkheim dans son cours de la famille de 1892. Durkheim disait « La famille moderne est de moins en moins centrée sur les choses ». Et François de Singly, qui a été le sociologue de la famille hégémonique en France à la fin du XXe siècle, mais enfin, on pourrait trouver des équivalents en Angleterre comme Giddens ou en Allemagne comme Beck, ont vraiment travaillé la famille dans cette perspective durkheimienne, c'est-à-dire en considérant que désormais, la famille, c'était des relations familiales, c'était un lieu d'émancipation des individus et que finalement, les enjeux économiques dans les familles étaient devenus secondaires. Et nous, à l'inverse, on prend le contre-pied de ça en disant que la famille, c'est une institution économique au sein de laquelle la richesse s'accumule, circule, s'évalue, se partage et se transmet. Bien sûr, on n'est pas du tout les premières à dire ça. On s'appuie notamment sur les recherches féministes, hein, sur le travail domestique. On y reviendra pour avancer cela. Mais enfin, on centre vraiment notre regard sur la famille, sur les arrangements économiques familiaux. Et ce n'est pas du tout ce qui se faisait en sociologie de la famille ces 30 dernières années. Donc, dans le livre, on examine en particulier deux moments qui explicitent cette circulation, cette accumulation, circulation, évaluation, partage de la richesse. Ces deux moments, c'est les successions et les séparations conjugales. Ce n'est pas deux moments instantés, hein, parce qu'une succession, ça peut s'organiser sur 20 ans. Mais c'est sur ces deux enjeux-là qu'on braque notre regard dans le livre. Et pour cela, ça suppose de faire quelque chose qu'annonçait Durkheim d'ailleurs en 1892, toujours dans le même cours, c'était de dire que faire de la sociologie de la famille, il faut faire de la sociologie du droit. Et on ne peut pas travailler sur les successions et les séparations conjugales sans s'intéresser aux droits de la famille. Le paradoxe, c'est qu'en France, on a désormais un droit formellement égalitaire. Je citerai seulement deux dates clés. 1804, le Code civil napoléonien, qui instaure en matière de succession la réserve héréditaire. Donc, en langage courant, c'est le fait qu'on ne peut pas déshériter un de ses enfants, notamment on ne peut pas déshériter ses filles, ni les cadets par rapport aux aînés. Et puis le deuxième moment, c'est 1965, enfin c'est plutôt 1965-1985, c'est l'accès des femmes mariées aux mêmes droits que les hommes en matière de gestion de la propriété. Donc je rappelle que 1965, c'est le moment où les femmes mariées ont le droit de signer un contrat, c'est le moment où les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque à leur nom, d'avoir un contrat de travail sans demander l'autorisation de leur mari et de gérer leurs biens propres et les biens de leur mari. Avant 1965, y compris les biens propres qu'elles avaient hérités, dont elles pouvaient hériter bah justement depuis 1800, dont elles pouvaient hériter de leur famille, c'était leur mari, si elles étaient mariées, qui le gérait.
En fait, si on suit les juristes, il faut attendre 1985 pour que le code civil soit complètement débarrassé de discrimination à l'encontre des femmes en matière de droit de la famille et de droit de la propriété. J'ai découvert récemment que c'était seulement en 1981 et que c'était Fabius qui avait instauré le fait que les femmes puissent signer la déclaration des revenus. Auparavant, seul le mari, les femmes mariées, auparavant, seuls les maris signaient les déclarations de revenus. Donc, il faut aussi aller regarder le droit de la fiscalité. Mais globalement, on a un droit formellement égalitaire. Et ce que je vais vous montrer, c'est que, et ce qu'on montre dans le livre, c'est que pourtant, il y a toujours des inégalités en pratique. Alors là, je vais aller très vite. C'est en gros le plan de ma présentation. Donc, dans un premier temps, on va être centré sur ce qui se passe dans les familles. Et je vais essayer de vous expliquer ce concept de stratégie familiale de reproduction qui est défavorable aux femmes. Dans un deuxième temps de la présentation, on ira dans les cabinets des notaires, dans les études notariales, les cabinets des avocats en droit de la famille et dans les tribunaux de grande instance qui règlent les enjeux matériels des séparations conjugales pour réfléchir à que fait le droit de la famille et plus particulièrement que font les professionnels du droit de ces stratégies familiales de reproduction défavorables aux femmes. Et on va voir, le suspense est d'emblée rompu, que ces professionnels ne remettent pas en cause ces inégalités, mais qu'au contraire, par leur pratique et notamment par leur manière de compter, ils les légitiment. Et puis, dans un troisième temps, je prendrai du champ en m'appuyant sur le féminisme marxiste ou matérialiste pour montrer pourquoi aujourd'hui, en France, tandis que les femmes travaillent autant, voire davantage que les hommes, et travaillent en grande partie gratuitement, les hommes font carrière et accumulent des richesses, et pourquoi l'intervention de l'État ne remet pas en cause le pouvoir économique des hommes sur les femmes. Ok, alors, donc cette première partie, elle correspond au début du livre et elle est centrée sur nos premières enquêtes avec Sibylle, puisqu'en fait, ce livre, c'est quand même le résultat de plusieurs enquêtes mises bout à bout. En réalité, c'est 20 ans de recherche sur l'économie dans la famille qu'on a mis dans ce livre. Donc, Sibylle et moi, on a toutes les deux pour point commun d'avoir fait des thèses à peu près à la même période, donc au début des années 2000, sur les enjeux économiques des rapports familiaux. Toutes les deux, on avait travaillé à partir de la même façon, c'est-à-dire en faisant des monographies de famille. Donc, ce qu'on appelle des monographies de famille, c'est l'idée que, au lieu de travailler sur une famille en allant voir un individu dans une famille et de lui demander de nous parler de sa famille, eh bien, on travaillait en allant voir plusieurs personnes dans une même famille, en faisant donc une ethnographie des arrangements économiques familiaux de plusieurs points de vue dans une famille. Donc moi, en fait, j'avais fait ma thèse, j'ai soutenu ma thèse en 2006 et le bouquin est sorti en 2010 sur les transmissions d'entreprises familiales viticoles de la région de Cognac. Et Sibylle, elle, a soutenu sa thèse en 2011 sur les stratégies immobilières familiales dans la France contemporaine. Alors, en général, c'est Sibylle qui présente sa partie et elle vous présente des monographies de famille qu'elle a faites. Donc là, comme c'est moi, je vais le faire un peu différemment. Ces monographies de famille, donc le point commun de nos travaux avec Sibylle, c'est qu'on s'intéressait, typiquement avec les entreprises familiales, je m'intéressais à des familles pour lesquelles l'enjeu économique, l'enjeu des transmissions économiques était un enjeu central dans les trajectoires des individus et notamment dans leur trajectoire professionnelle. En gros, la question de qui allait éventuellement reprendre l'entreprise familiale n'était pas une petite question dans les familles de viticulteurs à Cognac, mais au contraire une question centrale qui organisait toutes les transmissions patrimoniales. Et au lieu donc d'étudier cette question-là en allant voir seulement des jeunes viticulteurs qui reprenaient l'entreprise familiale, je l'ai étudiée en allant voir leurs parents, le repreneur, ses frères et sœurs. J'ai aussi étudié des situations dans lesquelles l'entreprise ne se transmettait pas. Donc les frères et sœurs du repreneur, parfois les grands-parents, parfois les oncles et les tantes, parfois les enfants.
Et donc, j'appréhendais la question de la transmission de la propriété viticole des différents points de vue dans la famille. Et Sybille a mené le même dispositif dans des familles plus diversifiées socialement et en s'intéressant, elle, aux biens immobiliers. Et alors, Cognac, c'était vraiment une espèce de... Enfin, il y avait des choses totalement évidentes. Par exemple, le fait que les propriétés viticoles se transmettaient dès qu'il y avait un fils, ça se transmet à un fils, quelle que soit sa position dans la fratrie. Les filles n'accèdent à la reprise de l'exploitation et l'héritage de l'exploitation et de la propriété viticole uniquement s'il n'y a pas de frère ou bien si les frères sont disqualifiés, par exemple handicapés. Donc ça, c'était quelque chose d'assez, de vraiment totalement massif à Cognac. Ce qui était intéressant quand on faisait nos thèses, Sybille et moi, c'était de comparer en fait nos différents terrains. Parce que bien sûr, ce que tout le monde me disait, c'était « bon, mais toi, tu étudies des familles très très particulières, des familles traditionnelles, viticoles, une espèce de conservatoire des traditions familiales. » Mais ce qui était intéressant, c'est que Sybille, dans ses familles plus diversifiées socialement, elle observait des choses assez proches. Notamment, elle observait le fait que les biens économiquement et symboliquement les plus importants dans les familles étaient transmis bien souvent à des fils plutôt qu'à des filles, et même plutôt au premier des fils. Ce qu'on appelle progressivement, on en est venu à appeler ces biens économiquement et symboliquement les plus importants des biens structurants. Ces biens structurants, ben, c'est quand il y a une entreprise familiale, c'est l'entreprise familiale, donc comme à Cognac. Mais ça peut être aussi une maison de famille, par exemple. Ce qu'on observait également, c'était combien, en suivant toujours cette méthode des monographies de famille, combien les femmes, en tant qu'héritières, étaient fragilisées en tant qu'héritières du fait de leur position professionnelle moins favorable sur le marché du travail professionnel, le fait qu'elles aient des salaires moins importants que leurs frères ou que leurs conjoints, et fragilisées aussi par les séparations conjugales, c'est-à-dire le fait qu'elles avaient du mal à accumuler avec les divorces. Elles perdaient leur statut. Si elles étaient propriétaires quand elles étaient en couple, elles avaient du mal à rester propriétaires après une séparation conjugale. Et du coup, ça les fragilisait en tant qu'héritières pour, par exemple, s'occuper d'une maison de famille. On en donne plusieurs exemples dans le livre. Donc, en fait, ces monographies de famille, ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'hypothèses sur ce qu'on appelle les stratégies familiales de reproduction, qui est un peu le gros concept du début du livre. Ce concept, il vient de Pierre Bourdieu. Si on veut le définir très simplement, c'est le fait pour des parents de souhaiter pour ses enfants une position sociale aussi bien que la leur. Et en fait, ce dont on s'apercevait quand on mettait ensemble nos différentes monographies de famille avec Sybille, c'était le fait que ces stratégies familiales de reproduction, qui sont donc des stratégies de classe, de maintien de sa position de classe, sont aussi des stratégies qui différencie les garçons et les filles, qui différencie les fils et les filles. Et donc, il y a les stratégies familiales de reproduction qui sont des stratégies genrées, et le genre est au service de la reproduction du statut social. En gros, les fils apparaissaient comme de meilleurs héritiers, plus aptes à entretenir le patrimoine familial. Et on fait une comparaison dans le livre avec l'enjeu de la transmission du nom de famille. Ça prend des déclinaisons assez différentes selon les milieux sociaux. Par exemple, dans des familles, on a des, en fait, dans nos enquêtes, alors on ne le voit pas très bien quand on est à Paris, mais quand on circule en France, ça se voit vraiment bien. Il y a tout un tas de familles qui ont des petits revenus, qui les accrochent aux classes populaires, mais qui ont néanmoins réussi à accumuler un petit patrimoine, un terrain sur lequel a été construite une maison, qui ne vaut pas grand-chose, mais enfin n'empêche que ça constitue un petit patrimoine. Et les hommes, par leurs compétences en maçonnerie, en plomberie, enfin de construction ou d'autoconstruction, vont apparaître comme de meilleurs héritiers de ces petits patrimoines. Donc ça, c'est une version classe populaire à petit patrimoine. Dans les familles à
dans les grandes fortunes, on a observé aussi des mécanismes carrément d'exclusion des femmes du pouvoir économique. Elles ne sont pas présentes dans les conseils d'administration. Elles sont, si elles sont dans les SCI, elles ne sont pas gestionnaires des SCI, etc. Donc, en gros, l'idée que les hommes sont les plus aptes, les plus compétents pour entretenir le patrimoine familial. Donc voilà, ces stratégies familiales de reproduction sont des stratégies de classe et des stratégies de genrées en même temps. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu à partir de nos enquêtes dans les familles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, ça nous a donné une espèce d'aiguillon pour aller travailler sur l'enquête patrimoine de l'INSEE. Ça, ce sont les données de la dernière enquête disponible, l'enquête patrimoine 2014-2015. Qu'est-ce qu'on constate? Et on regarde les types de transferts reçus par les héritiers et les héritières selon leur sexe et leur rang dans la fratrie. Bien, on se rend compte que les fils reçoivent davantage de biens professionnels que les filles, les fameuses entreprises. Ils reçoivent également davantage de biens immobiliers. Ils reçoivent également davantage de valeurs mobilières et davantage de terres. En fait, et notamment, ce sont les premiers des fils qui ont un avantage plus important que les autres. On retrouve un effet du rang de naissance. La seule chose que reçoivent davantage les filles que les fils, c'est uniquement de l'argent. Et vous allez voir dans un tout petit instant que ce n'est pas tout à fait équivalent. L'autre point très important, donc là-dessus j'y reviendrai dans la deuxième partie. L'autre point important, c'est les donations. C'est pas du tout la même chose que de recevoir une donation à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 40 ans que de recevoir un héritage à l'âge de 60 ou 70 ans en termes de stratégie familiale de reproduction, de statut social et d'avantages que ça donne dans la vie pour construire son statut social. Et on constate que les fils reçoivent significativement plus souvent de donations que les filles. Donc, en fait, les fils et les filles n'héritent pas de la même chose, ni au même moment. On le retrouve, et pourtant, ce sont des données brutes de l'enquête patrimoine. C'est-à-dire qu'il faut se dire que les écarts vous paraissent peut-être pas très importants, mais ici, on écrase toutes les situations. C'est-à-dire, on écrase des adelphies où il n'y a que des garçons, des adelphies où il n'y a que des filles, des adelphies où il y a aussi des fils uniques, des filles uniques. Donc, une manière de le décrire, je crois qu'on dit ça dans le livre, c'est que dès que l'inégalité peut s'exprimer, elle s'exprime. Alors, j'ai été un peu longue ici, je vais aller plus rapidement là. Ce qu'on décrit aussi dans le livre, c'est le fait que les hommes, du fait de cet avantage dans les mécanismes de transmission, ont aussi un avantage dans le couple. Et qui est lié aussi à leur avantage dans le milieu professionnel sur lequel je reviendrai plus longuement dans un tout petit instant. Donc, la résidence principale, c'est le bien par excellence détenu par les couples à égalité. C'est le bien qu'on acquiert dans le cadre du mariage ou en couple à 50-50. Simplement, on constate qu'on retrouve partout des petits écarts, c'est-à-dire que dans les 20% restants, eh bien, il y a quand même deux fois plus souvent un homme seul qui détient la résidence principale qu'une femme seule. Et puis, les hommes détiennent davantage de résidences secondaires. Ils détiennent davantage de biens immobiliers qui sont loués toute ou partie de l'année. Je passe assez vite là-dessus. Autre point, puisque là, j'étais plutôt jusqu'à présent sur les successions. Si je prends maintenant les moments des séparations, on constate que, donc ça on peut le montrer aussi à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE, on constate que les séparations est un moment qui fragilise patrimonialement les femmes. On l'avait déjà vu aussi à partir de nos monographies de famille. Et ça, au moment où on était en train d'écrire le livre, il y a eu un papier qui est sorti tiré de l'échantillon démographique permanent qui montrait que suite à une séparation conjugale, c'est l'homme qui continue à habiter dans l'ancien domicile conjugal un an après, plus souvent, il y a plus de 10 points d'écart, qu'une femme. Ça, c'était assez surprenant parce que vous allez le comprendre dans un instant, nous, on enquêtait au même moment dans les tribunaux et après une séparation conjugale, les enfants restent bien plus souvent avec la mère qu'avec le père.
Et du coup, les juges nous disaient qu'il y avait un avantage qu'avaient les femmes en matière de séparation conjugale, c'était dans le maintien au domicile conjugal. Et en fait, quand on regarde de plus près cette question-là, eh bien, ça dépend du statut d'occupation du logement. C'est vrai dans le logement social. Donc, dans le logement social, après une séparation conjugale, les femmes, surtout si elles ont des enfants, restent massivement dans le logement. Mais par contre, dans la location privée et encore plus quand le couple est propriétaire, eh bien, c'est le conjoint, y compris quand il y a des enfants et y compris quand c'est la mère qui est à la garde des enfants, c'est le conjoint plutôt que la conjointe qui conserve le logement. Et ça, c'est lié au fait que les propriétaires, en fait, ils ont toujours un crédit immobilier à rembourser la plupart du temps et que les femmes n'ont pas les moyens de rembourser le crédit immobilier et de rester dans les maisons et les appartements. Et donc ça, c'est un autre résultat qu'on dit dans le livre, c'est que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à se maintenir dans le statut de propriétaire après une séparation conjugale. Voilà, donc ça, c'était un peu le premier temps de notre démonstration qui, à partir des monographies de famille et à partir des données statistiques, permet d'établir le fait qu'il y a des stratégies familiales de reproduction qui sont défavorables aux femmes au moment des successions et que les séparations sont un moment de fragilisation. Constitue un moment de fragilisation de l'accumulation patrimoniale des femmes et pas des hommes. Et les deux, on parle d'un cercle en fait, d'un cercle, une sorte de cercle vicieux dans le livre, c'est que cette fragilisation des séparations conjugales fragilise aussi les femmes en tant qu'héritières, puisqu'on va moins confier à des femmes qui n'arrivent pas à se maintenir, par exemple, dans le statut de propriétaire, une maison de famille à entretenir. Voilà, donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps de la démonstration, c'est de se dire que fait le droit à ces stratégies familiales de reproduction défavorables aux femmes. Qu'est-ce qui se passe dans l'étude notariale? Qu'est-ce qui se passe? Que font les avocats en droit de la famille? Et c'est cette deuxième partie. Alors, je vais aller très, très vite là, mais c'est important pour nous de vous montrer ça. Les enquêtes précédentes, les thèses, je vous disais qu'on les avait démarrées au début des années 2000. On a commencé à travailler sur la justice familiale avec Sibylle à partir de 2008 et on l'a fait dans le cadre d'équipes de recherche où nous étions nombreuses et nombreux. Donc, les équipes s'appelaient Rupture puis Justine nous avons été plus d'une cinquantaine à travailler dans les tribunaux de grande instance sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Donc, voilà tout ce que nous avons fait, des entretiens avec des juges, des observations d'audience. Nous avons aussi consulté des centaines et même des milliers de dossiers de divorce et de séparation conjugale dans les tribunaux. Nous avons aussi enquêté, alors là c'est plus récent, c'est après 2013, sur les professions libérales du droit spécifiquement, c'est-à-dire qu'on est allé dans les cabinets d'avocats qui pratiquent le droit de la famille et on a fait de la même façon des entretiens avec ces avocates et ces avocats, observé les rendez-vous clients avec les avocats, on a suivi les avocats et leurs clients aux audiences au tribunal et puis plus récemment, avec Sibylle, toutes les deux, nous avons mené une enquête sur les notaires. On était ici intégrés dans une équipe de recherche pilotée par des juristes. Nous avons réalisé, Sibylle et moi, une vingtaine d'entretiens avec des notaires partout en France et exploité un petit questionnaire aussi auprès de un peu plus de 100 notaires. Alors ça, c'était pour vous montrer les collectifs de travail. En 2013 est sorti ce livre au tribunal des couples, Enquête sur des affaires familiales, qui est vraiment le moment tribunal de notre réflexion. Ce livre est sorti en BD l'année dernière, a été adapté en BD. Et on voit ici les collectifs de travail. Donc ça, c'est le collectif 11 qui a signé le livre. Ici, on nous voit dans un tribunal, dans une salle de travail qu'on nous avait prêtée, en train de travailler sur des dossiers. Là, dans les archives d'un tribunal en train de remplir notre base de données. Voilà, donc ça fait une petite pause avant de rentrer dans le nœud qui est cet enjeu de la comptabilité inversée. Donc ici, l'idée, c'est de réfléchir à comment travaillent les notaires et plus précisément, comment comptent les notaires. Donc, initialement, on mettait un acte notarié sur cette diapositive, mais en fait, il fallait tellement anonymiser qu'on n'y voyait plus rien. Donc, je vais vous demander une opération de pensée.
pour lire cette diapositive. Donc, en fait, pour l'instant, intéressez-vous seulement à la colonne « La théorie ». En gros, ce que j'essaye de vous décrire là, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acte notarié au moment d'une succession. Ça peut être une donation partage, ça peut être la succession au moment d'un décès, ou bien d'une séparation au moment où un couple, qu'il soit marié ou non, partage son patrimoine. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un acte notarié ? Si on suit la logique du document, un acte notarié, c'est un inventaire de biens. Donc, on va avoir une liste avec l'ensemble des comptes en banque, l'ensemble des actifs immobiliers, la résidence principale, d'autres résidences s'il y en a, éventuellement des parts d'entreprise, des terres, etc. Donc, une liste de biens. En face de chacun de ces biens, il y a un montant en euros, une évaluation. Ensuite, on procède à une somme, c'est-à-dire qu'on évalue l'ensemble du patrimoine qui est à partager. Et puis, ensuite, on fait des divisions, c'est-à-dire qu'on divise entre les héritières, les héritiers, ou bien entre les deux conjointes et conjoints qui doivent se partager le patrimoine. On établit des lots. Un tel va récupérer l'appartement, l'autre va récupérer des terres, etc. Et puis, si les lots ne correspondent pas aux parts que doivent recevoir, enfin, s'il y a un déséquilibre dans les lots, il y a ce qu'on appelle une soulte, c'est-à-dire une compensation en argent. OK, donc ça, c'est la logique du document. Et vous voyez que la logique du document, il y a vraiment un ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a l'impression, enfin, on se dit, les opérations ont lieu dans ce sens. En fait, notre enquête auprès des professionnels du droit, notaires et avocats, et à partir des dossiers, nous fait conclure qu'en pratique, ça se passe exactement à l'inverse de ça. C'est pour ça qu'on parle de comptabilité inversée. Quand des personnes apparentées, que ce soit donc encore une fois un couple ou des héritières et des héritiers, arrivent dans le bureau du notaire pour régler une succession ou le partage du patrimoine au moment d'une séparation, ils savent déjà qui va avoir quoi. En fait, la répartition des biens, la distribution des biens est déjà réglée. On sait qui va reprendre l'entreprise familiale. Dans un couple, on sait qui va rester ou non au domicile conjugal. En général, il y est déjà et l'autre est déjà parti. On sait qui va reprendre la maison de famille. Donc, en fait, ce qui est premier dans l'étude notariale, c'est l'élaboration d'un consensus sur la répartition des biens. La distribution est première. La distribution arrive en premier. Et en fait, ce qui se passe dans l'étude notariale, c'est faire en sorte que ça rentre dans les cases du droit, c'est-à-dire travailler sur l'inventaire, et l'évaluation des biens de telle sorte à ce que la valeur de chaque part corresponde aux droits légaux de chaque héritière, héritier, ex-conjointe, ex-conjoint. Donc ça, on en donne plein d'exemples dans le livre. Pour aller vite, une des pratiques très, 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 très fréquentes chez les notaires, c'est de jouer sur l'évaluation. Parce qu'en fait, il y a plein de manières d'évaluer. Alors, les évaluations, il y a des biens qu'on peut, sur lesquels il y a une marge et d'autres sur lesquels il n'y en a pas. Un compte en banque, il n'y a pas de marge pour évaluer, surévaluer, sous-évaluer. En revanche, un bien immobilier qui n'est pas vendu, eh bien, les notaires ont plein de manières de calculer la valeur immobilière d'un bien qui n'est pas vendu, et ils peuvent du coup jouer sur la valeur de ce bien pour faire en sorte que celui qui récupère ses biens verse une compensation qu'il peut effectivement payer à celui ou celle qui ne récupère pas le bien immobilier. Donc, un truc très classique, c'est la sous-évaluation des biens immobiliers qui ne sont pas vendus. Pareil pour les parts d'entreprise, si elles ne sont pas vendues, c'est assez facile de jouer sur l'évaluation. On donne aussi des exemples dans le livre, ça serait trop long de rentrer dans le détail de chacun des cas, mais on donne aussi des exemples dans le livre d'inventaires qui ne sont pas complets. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde sait, que, y compris le notaire, que tout n'a pas été compté tout dans la succession. C'est là aussi l'intérêt des monographies de famille, c'est d'avoir des discours divergents là-dessus, sur pourquoi ça n'avait pas été compté, est-ce qu'on a le sentiment que c'est normal, pas normal, qu'est-ce que ça compense, etc. Et on donne des exemples comme ça dans le livre. Et parfois, c'est pas du tout marginal, hein, ce qui n'a pas été compté.
Donc voilà, donc en fait, l'inventaire, là, donc normalement, à l'issue de cette diapo, ça devrait être à peu près clair, l'idée que c'est une comptabilité inversée, c'est que la distribution en premier et l'évaluation et l'inventaire ensuite. Étape suivante de la démonstration, c'est Céline pourquoi... Bestia. Oui. Oui, il vous reste une dizaine de minutes, voilà. Ok, d'accord, je vais accélérer. Étape suivante du raisonnement, c'est pourquoi ces comptabilités inversées sont sexistes, défavorables aux femmes. Eh bien, ici, il faut mettre bout à bout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la transmission des biens structurants à des héritiers masculins ou des ex-conjoints qui semblent les plus aptes à les gérer, les conserver et les transmettre. Et c'est ce mécanisme de la comptabilité inversée. Donc, à partir du moment où ce sont les hommes qui, à l'issue d'une séparation ou au moment d'une succession, reçoivent davantage les biens structurants, les biens immobiliers, les entreprises, qui sont précisément ces biens qu'on peut sous-évaluer pour verser une compensation à ceux qui ne les reçoivent pas, eh bien, on comprend que ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le tableau, c'est-à-dire le fait que les femmes reçoivent davantage uniquement de l'argent, elles reçoivent des compensations de ce que peuvent donner leurs co-héritiers, leurs frères, ce qu'ils peuvent, eux, leur donner. Voilà, donc, et que du coup, c'est probablement pas économiquement équivalent de recevoir de l'argent que de recevoir les biens structurants. La question qui se déduit de ça, c'est pourquoi est-ce que les notaires agissent de cette manière-là ? Pour eux, c'est du pragmatisme. C'est une façon de travailler pragmatique. C'est une logique de la pratique. Donc là, on reprend des termes bourdieusiens. L'idée des notaires, en fait, c'est d'assurer la paix des familles. C'est de faire en sorte que ces affaires patrimoniales n'aillent pas au tribunal. Ils y arrivent très bien. 95% des successions se déroulent dans les études notariales. En matière de divorce, il y a très, très peu d'affaires de partage du patrimoine qui vont au tribunal. Il y a plein de dossiers de divorce dans les tribunaux, mais pas sur les enjeux patrimoniaux. Donc, en fait, les notaires, vraiment, travaillent sur la paix des familles, travaillent à ce consensus. C'est ça, vraiment, ils se prénomment les médecins du patrimoine et c'est ça leur objectif. Du coup, au nom de cette paix des familles, ils vont très peu remettre en cause les rapports de pouvoir et de domination familiaux et conjugaux, donc les stratégies familiales de reproduction défavorables aux femmes. On pourrait aussi, si ça vous intéresse, je peux passer plus de temps sur qui sont les notaires, vous expliquer que ce sont des professions libérales du droit, en voie de féminisation, mais beaucoup plus lentement que les juges et les avocats, et qui restent très masculines et très ancrées dans l'indépendance. En fait, les notaires, pour être titulaires d'un office notarial en France, en moyenne, c'est 500 000 euros. Donc, ce sont eux-mêmes des héritiers d'un patrimoine économique familial. Parmi la vingtaine de notaires que nous avons rencontrés, il y en a une seule qui était fille de salarié. Tous les autres étaient fils d'indépendants, de notaires, de médecins, de pharmaciens, de commerçants, d'agriculteurs, de restaurateurs, d'hôteliers, de commissaires-priseurs. Donc, ce sont eux-mêmes des personnes inscrites dans des familles d'indépendants qui ont bénéficié d'un capital économique professionnel pour s'installer. Et du coup, ils partagent une définition du bon héritier avec leurs clients. Alors là, ça me prendrait un peu de temps, j'y reviendrai dans la discussion, mais en gros, ici, il faut le comprendre vraiment au croisement classe sociale genre, parce qu'il y a notaire et notaire, ce n'est pas du tout la même chose la clientèle privilégiée d'un notaire de campagne que la clientèle privilégiée d'un notaire du 7e arrondissement à Paris, qui va avoir affaire aux grandes fortunes nationales et internationales. Mais dans ces différents espaces sociaux, les notaires ont une vision de ce que c'est qu'un bon héritier qui est assez partagée avec celle de leurs clients et qui a une vision masculine, qui a des formes sociales différentes, mais qui reste masculine. Et pour vous illustrer ça assez économiquement, ben vous pouvez vous rendre sur le site des notaires, notaire.fr, et vous allez sur la page succession et transmission, et vous allez voir qu'il n'y a pas l'équivalent de ces photos avec un fond rose des mères et des filles. Voilà, ce sont des affaires masculines. Alors, là, il faut quand même que je vous parle de ça, de l'enjeu du fisc. Qui est un enjeu crucial dans toutes ces histoires. Parce que
Dans ces histoires de succession et dans ces histoires de séparation, il y a un enjeu il y a un enjeu fiscal qui produit de la cohésion familiale, qui produit du consensus. En fait, on a un certain nombre de femmes qui sont prêtes à renoncer à leurs droits au nom du fait que ça fera payer moins d'impôts collectivement à l'ensemble des membres de leur famille. La photo de cette femme, c'est Sandra Pensglove. Elle était mariée à un millionnaire finlandais et elle a divorcé en 2016 au moment des Panama Papers. Et du coup, elle découvre au moment de son divorce, et ses avocats découvrent au moment de son divorce, que son mari avait 400 millions de dollars planqués au Panama sur des comptes offshore. Et du coup, elle a évidemment revu ses prétentions sur le patrimoine conjugal au moment de son divorce. C'est un cas extrême, mais c'est un cas qui dit quelque chose qu'on a souvent vu, c'est-à-dire dans des familles fortunées où notamment l'homme est très fortuné, la femme n'est pas au courant exactement de la structure du patrimoine parce qu'en fait, il y a tout un tas de professionnels du droit qui sont impliqués, des avocats fiscalistes, des notaires, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine qui produisent une complexité du patrimoine. Et cette complexité du patrimoine, elle est produite pour que le fisc n'y comprenne rien, mais elle a aussi pour effet que les femmes qui sont exclues de ces lieux de discussion sur la structure du patrimoine n'y comprennent rien non plus, et du coup, elles y perdent au moment de se séparer. Alors, là, du coup, il me reste 5 minutes, c'est ça? Oui, environ. Ok, alors je vais aller assez vite sur la fin. Donc, l'idée, là, c'était de prendre du champ et de prendre du champ à partir d'une conceptualisation féministe, féministe marxiste ou féministe matérialiste, comme vous préférez. Donc, en gros, le moment des séparations conjugales, c'est quand même le moment où l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes, qui est cachée par le ménage, explose à la figure de la société et se voit, puisqu'il y a quand même un vrai problème de société avec la pauvreté des familles monoparentales, qui est quelque chose de très documenté sur l'appauvrissement des femmes suite à une séparation qui font qu'il y a un certain nombre de femmes avec leurs enfants qui tombent dans des trappes de pauvreté suite à une séparation. Donc là, je vous ai rappelé des chiffres qui ont été produits par d'autres que nous, hein. Le niveau de vie des femmes, donc là, on raisonne en revenus, le niveau de vie des femmes baisse en moyenne de 20% contre 3% pour les hommes et 35% des hommes se sont même enrichis au cours de leur séparation. Ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que ce qui se joue à ce moment-là, c'est l'absence de reconnaissance du travail féminin. Parce que les femmes travaillent autant, voire plus que les hommes. Donc ça, c'est les enquêtes emploi du temps de l'INSEE qui nous le disent. Les femmes en couple avec enfants travaillent en moyenne 54 heures. Les hommes en couple avec enfants travaillent en moyenne 51 heures. Simplement, 2/3 du temps de travail des femmes n'est pas rémunéré, alors que c'est seulement le cas d'un tiers du temps de travail des hommes. 2/3 du temps de travail des hommes est rémunéré. Donc là, l'enjeu, c'est le travail domestique gratuit. Donc, c'est là qu'on s'inscrit vraiment dans les acquis des recherches féministes des années 70, de qualifier ça de travail, de dire que ce n'est pas reconnu. Donc, j'imagine que vous connaissez ces travaux sur la production domestique qui, si elle était comptée, augmenterait le PIB de 33%. Et donc, pour enfoncer le clou aussi, une statistique qui est assez peu connue, on parle souvent de l'inégalité de revenus entre les hommes et les femmes en disant que c'est 25% si on le prend de façon brute. L'ensemble des hommes, l'ensemble des femmes en France. Si on regarde les hommes et les femmes en couple, l'écart de revenus, ce n'est pas 25%, c'est 42%. Donc, ça veut bien dire qu'il se joue quelque chose dans la relation conjugale, dans les couples de sexe différents, et que ça ne se joue pas que dans le monde du travail. Je vais vite. Ce qu'on examine dans le livre à la fin, c'est à ce moment des séparations conjugales, finalement, dans quelle mesure la justice familiale parvient à contrebalancer cet appauvrissement massif des femmes. Et la réponse, c'est qu'elle n'y arrive pas du tout, pas bien du tout. Il y a très peu d'outils pour ça. Donc, il y a un outil qui est dans le droit, dans le code civil, qui est la prestation compensatoire. Mais cet outil a été très affaibli, puisque les prestations compensatoires, c'est seulement chez les couples mariés,
Donc, seulement les couples divorcés y ont droit, les couples non mariés n'y ont pas droit. Et la prestation compensatoire est censée compenser la différence de niveau de vie née au moment de la séparation, de la rupture du mariage. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une prestation compensatoire seulement dans un divorce sur cinq. Donc déjà, ça ne concerne pas tous les couples non mariés, c'est seulement un divorce sur cinq. Et le montant médian des prestations compensatoires, c'est 22 000 euros aujourd'hui en France. Ça a fortement baissé au tournant des années 2000, je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est la réticence des juges hommes et des juges femmes, à fixer des prestations compensatoires. En tout cas, et on retrouve ici une logique de comptabilité inversée, c'est-à-dire que la question qui se pose pour les magistrates et les magistrats, c'est est-ce qu'il y a de l'argent disponible sans entamer le patrimoine de la lignée, sans entamer le patrimoine des hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'immense majorité des couples, les arrangements économiques qui vont avoir lieu au moment d'une séparation ne sont donc pas des prestations compensatoires, mais vont être seulement des pensions alimentaires. Donc, ce qu'on appelle familièrement les pensions alimentaires, c'est la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Donc, ce n'est pas destiné à compenser les écarts de niveau de vie nés d'une séparation, c'est censé payer pour les enfants. Mais on montre également dans le livre tous les freins qui font que ces contributions à l'éducation et à l'entretien des enfants sont faibles en France. Parce que y a l'idée en fait que notamment chez les classes populaires, il ne faut pas décourager les pères à travailler. Donc là, on voit un extrait d'entretien avec une juge qui dit ça. L'intérêt des enfants, c'est de voir le père qui a réussi à s'en sortir alors qu'il était RMiste. Et donc les juges vont préférer en France que les femmes perçoivent quand on est au niveau du SMIC ou en dessous. Pour les revenus du père, les juges vont préférer que les femmes touchent l'allocation de soutien familial de la CAF plutôt que de recevoir une pension alimentaire dont ils et elles savent qu'elle ne sera pas nécessairement versée régulièrement, puisque dans un tiers des cas, il y a des problèmes de versement et que c'est plus sûr pour ces femmes. C'est la dernière slide, donc je vais encore très très vite. Mais ce qu'on dit dans le livre, c'est que du coup, la justice familiale place les femmes dans une position, on dit mendiante dans le livre. En fait, c'est la mendiante et le bon prince. Elle place les femmes dans une situation de demandeuse. D'ailleurs, ce sont les femmes qui font les requêtes majoritairement parce qu'elles s'appauvrissent au moment d'une séparation conjugale. Elles ont plus souvent la garde des enfants. Elles ont des revenus qui sont donc 42% plus faibles en moyenne que leurs conjoints. Elles ont la garde des enfants et elles ne s'en sortent pas financièrement. Donc, ce sont elles qui font les démarches. Et ce sont elles qui réclament. Et elles sont dans cette position de demander. Et les hommes, au contraire, se trouvent dans une position d'offrir, une position de générosité, de faire un geste pour prendre en charge certaines dépenses, une position de générosité, de faire une offre. Ils peuvent laisser le domicile conjugal ou même accorder l'usage de leur nom à leur ex-épouse. Et donc, il y a un rapport de pouvoir en fait, qui se crée, sans compter le travail en fait, que représentent administrativement toutes ces démarches auprès des tribunaux, auprès de la caisse d'allocation familiale. Et donc, on décrit dans le livre tout le système socio-fiscal qui entretient la dépendance des femmes à l'égard de leurs conjoints. J'ai pas le temps de rentrer plus dans le détail maintenant. Voilà la conclusion. Donc, la conclusion en trois points très rapides, c'est qu'il y a un vrai enjeu méthodologique et politique à déconstruire les catégories de ménages et de foyers fiscaux qui sont un cache-sexe des inégalités économiques. Donc là, il y a un gros boulot à faire, notamment sur les enquêtes patrimoine, pour qu'on puisse… les Allemands, par exemple, ont commencé à introduire dans leurs enquêtes patrimoine une double interrogation des membres du couple, c'est-à-dire d'aller regarder l'homme et la femme et de leur demander à l'un et à l'autre de déclarer le patrimoine du couple. Et on se rend compte qu'ils ne déclarent pas la même chose. Donc, il y a un vrai boulot à faire là-dessus sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des ménages. Le deuxième point, c'est que… Donc tout le courant des économistes autour de Thomas Piketty et d'autres souligne avec raison qu'il faut mener des politiques fiscales de réduction des inégalités de richesse. On est
totalement d'accord avec ça, avec Sybille. Mais ce qu'on dit, c'est que ceux qui détiennent le capital économique n'ont pas que leur richesse comme arme. C'est-à-dire que mettre en œuvre des politiques de redistribution et des politiques de taxation du patrimoine. Alors, je vous rassure, on ne va pas du tout vers ça, hein, puisque Bruno Le Maire a annoncé une défiscalisation des donations pour permettre de réduire les inégalités de patrimoine entre les générations, mais ce qui ne va pas du tout aller dans le sens d'une réduction des inégalités entre les classes ni entre les genres. Donc, on ne va pas du tout vers là, mais si on allait vers là, il faudrait quand même faire gaffe à la mise en œuvre, parce que ce qu'on montre, c'est que vraiment tous les professionnels du droit de propriété qui encadrent les personnes les plus fortunées jouent un rôle absolument considérable en fait dans tous ces mécanismes d'optimisation fiscale. Enfin, en gros, plus on est riche, plus il y a des moyens d'échapper au fisc et voilà, du fait de tout ce travail des professionnels du droit de propriété. Puis le troisième point, c'est au moment où nous sommes, l'intersectionnalité est déclarée islamo-gauchiste et sécessionniste, eh bien ce travail, ça n'aurait juste pas été possible sans cette approche, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on fait dans le livre, c'est qu'on croise les inégalités de genre, de classe et de génération. Et il nous semble qu'il y a d'autres rapports sociaux de domination à explorer. Par exemple, typiquement, il y a un vrai sujet en France sur la couleur du patrimoine, sur le prix des biens immobiliers dans des quartiers où il y aurait des populations minoritaires, racisées. Voilà, ce type de travaux existe dans d'autres pays, il n'existe pas en France et il y aurait des choses à faire là-dessus aussi. Voilà. Désolée d'avoir été trop longue. Non, c'était parfait. Merci.